tous et bienvenue sur le Cahier du Pianiste. Aujourd'hui, nous allons travailler le thème de la 3e symphonie de Brahms, un thème absolument magnifique. La pièce est très très bien. On a beaucoup de croches pointées doubles, donc moi qui cherche un morceau pour faire travailler ce rythme particulier, ben là je crois qu'il est tout trouvé. On a même un petit quintolé. C'est pas toujours facile ça, le quintolé. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de travail. Nous sommes en 3-4, nous avons un si bémol à l'armure, donc il faudra y faire attention. On va commencer tout de suite par la main gauche. Alors je commence bien sûr en ayant anticipé toute la position de Ré. Ensuite je ramène la main, sol si bémol. Deuxième système, même chose. Donc on a deux fois la même chose. Ensuite, Do dièse, sol si bémol. Donc bien sûr c'est l'accord Do dièse, Mi, Sol, Si bémol. Et ensuite je descends sur Ré, Fa, La. Jusque là tout va bien. Quand j'ouvre ma main pour le Si bémol, je ne quitte pas le La, puisque je vais faire Si, Fa, La bémol. La bécart, j'ouvre ma main. Ré, Do, Si, Sol que je garde Ré. Alors moi je ressoulève tout de suite, quand je joue le Si de la main droite, je ressoulève tout de suite le Do. Ça, on est tout de suite placé. Je soulève que le si bémol pour faire la liaison et pouvoir le rejouer. Si, pousse à l'intérieur, la, sol dièse, sol bécart. Donc la main gauche en soi n'est pas compliquée, même si je trouve que ce passage, donc troisième système, deuxième mesure, pas toujours évident. Je vais donc vous faire toute cette main droite à 60 à la noire. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je suis déjà placé. Donc notez bien les doigtés. Je reprends toujours de la même mesure. Donc deuxième mesure, deuxième système. Pouce 2. Pouce c'est indiqué. Pouce 2, 3, 5, 1. Là je suis quatrième système, première mesure. Et ensuite je redécale sur l'accord Do que je garde Fa. 4-2 sur sol si bémol, re-deuxième, pouce à l'intérieur, 2-3. Notez bien tous les doigtés parce que là, on n'a pas le temps de réfléchir. Il faut vraiment que ça s'enchaîne assez rapidement. Alors, je passe à la main droite et je vais, pour vous montrer comment surmonter cette difficulté qu'est la croche pointée double, je vais subdiviser, et c'est toujours la même règle, à la plus petite valeur. Nous avons une double croche, donc je subdivise à la double croche. Donc, je dois compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je mets mon métronome à 60 et je vous fais les deux premières mesures, bien sûr, anacrous incluses. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc bien sûr, à chaque fois, vous subdivisez bien à la double. Alors vous avez remarqué que pour la blanche pointée, on n'a pas besoin de compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, même si je l'ai fait pour la mesure qui suivait, pour vous montrer que la subdivision reste. Mais bien sûr, on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Donc bien sûr, sur les valeurs longues, pas la peine de subdiviser. Allez, je vous fais toute cette main droite. Ah, si, j'allais oublier le quintolé. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire pour le quintolé. Ici, on a le pouce, donc tous les doigtés sont écrits. Donc, je garde mon pouce. La dernière note, le Ré, je le garde et je joue le Fa. Et alors, je vous redire exactement les mêmes mots que ma prof, une de mes profs de formation musicale. Vous pouvez dire les petits poissons cuits. Je sais, ça fait un peu bizarre, mais ça marche vraiment. Je trouve que quand elle m'a donné la solution, je trouvais ça super. Donc, je reprends la mesure d'avant. Donc, Mi, La, A, Sol, Ré, Mi, Ré, Do, Ré, Fa. Ça nous fait 1, 2, 3 et les petits poissons cuits. Je vous le fais avec le métronome. 1, 2, 3, les petits poissons cuits.
Vous voyez, ça passe. Et là, c'est impeccable. Bon, c'est juste, moi, ça m'a toujours fait rire quand elle nous l'a annoncé, ça a fait rire la classe entière. Mais très sincèrement, au lieu de dire, je sais pas ce que vous pourriez dire, 1, 2, 3, 4, 5, 1, ça veut pas dire grand-chose. Alors que si on se dit, il faut caler les petits poissons cuits et on arrive cuit sur le temps suivant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, les élèves, ça marche quand même super bien. Allez, je vous fais cette main droite à 60 à la noire. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2. Entendu, moi je ralentirai quand même à la fin quand vous avez le crochet 1 et le crochet 2. Vous ne vous précipitez pas, d'ailleurs j'espère que dans l'enregistrement je le fais, j'ai déjà oublié. Mais normalement je ralentis puisque il y a quand même beaucoup d'informations entre le... On y va mollo, il y a même un petit point d'orgue, vous pouvez faire durer cette blanche, le temps d'une blanche pointée, le temps d'une ronde, ça ne choquera personne. Allez, je vous fais les mains ensemble à 60 à la noire. 1, 2. Voilà, comme vous l'avez entendu, j'ai ralenti à la fin. Bien sûr, ça me paraît vraiment nécessaire. Vu le morceau, on peut même se permettre quelques fluctuations quand il y a beaucoup de changements harmoniques. Le morceau est très bien, hein, vraiment pianistiquement parlant. Soyez propre sur les croches pointées doubles. Essayez de bien pouvoir essayer de tenir le fait de compter les trois noirs. C'est très important de compter les temps. Et bah, écoutez, je pense que vous savez tout. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poster en commentaire. Et bien sûr, si vous voulez me soutenir, je pense que je l'ai mis, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee, ça me fera très très plaisir. Et donc, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau morceau. Allez, ciao!